la team Popo, on est le 10 décembre. Attendez, c'est quoi ça, je dis? Et on se retrouve. On est le 10 décembre et on se retrouve pour la case du. On est le 10 décembre et on se retrouve pour la case numéro 10 du calendrier de l'Avent. Ah, super, c'était vachement. Quoi? Tu sais, on est dans le ce qu'ils vont voir. Et si on est le 10, forcément, ah, on recommence. Pas de hello, la team Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La case 10 du calendrier de l'Avent sur les. Meg et de Noël. Et je vais vous faire aussi un chocolat chaud. Souvent on me demande combien as-tu de Meg de Noël. Trop. J'en ai beaucoup. J'en ai une petite collection, ça va. Je trouve que j'en ai pas. T'aurais peut-être dû éteindre le sapin. Ça fait un peu trop de lumière là. Hein. Pourquoi vous rigolez? Et comme on me demande souvent c'est quoi tes préférés, tout ça, où est-ce que tu les as achetés là main. On va faire un top 3 des mugs. Ça y est, c'est parti. Un top 3 non, to mais, toi tu mettras, mais moi je vais mettre mes 3 mugs préférés et à côté de ça je vais faire un petit chocolat chaud. Ok, bon. Je vais mettre le lit à chauffer. Bah ça c'est ma gougoute ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non rien. Alors on va vous monter notre top 3 des mugs à nous deux. Déjà, ok? Ouais. On va voir si on a les mêmes. On prend le numéro 3. T'es prête? 3, ouais. 2, 1. Ah c'est pas le même, ça va. Non. Voilà mon mug préféré de Noël. Christmas, je sais pas, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs et en gros, un mug de Noël, il doit toujours avoir beaucoup de couleurs et je l'aime beaucoup. Et en plus, on l'a acheté à Waterloo, c'était Famille Flora. Et je me souviens du moment où on l'a acheté et tout, du coup, voilà, j'aime bien. Celui-là. Pourquoi? Bah parce que Merry Christmas et comme toi, il y a plein de trucs qui fait penser à Noël, ouais, le sucre d'or, les moufles, les flocons de neige et tout. C'est la base. Ensuite, mon numéro 2 à moi. Attends, pousse. Je vais marquer quelque part, parce qu'il y a des moments où on va peut-être pas dire où est-ce qu'on les a achetés, mais normalement je me souviens de tout, donc je vais noter quelque part sur l'écran. Okay. Mon numéro 2, c'est celui-ci, parce que j'aime beaucoup Starbucks, ça tout le monde le sait, et j'aime beaucoup la hanse de celui-ci, en fait. Il fait vraiment penser à Noël, et surtout, je me souviens que je te l'avais offert dans un coffret de Noël. Ouais. J'avais fait un coffret, c'est une idée cadeau si vous voulez. Coffret, j'avais mis un mug Starbucks avec de quoi faire du café, avec de quoi faire des petits sirops pour mettre dans le café, enfin des trucs, des glaçons. J'avais fait une boîte complète pour pouvoir se faire un bon Starbucks à la maison. C'est vrai. Tu te souviens? Et maintenant, ils ont fermé le site, on peut plus se recommander. C'est vrai? Moi, c'est celui-là. Oh ouais? En fait, je sais pas, la tasse, elle est bien. La tu vois, tasse. Elle est plus, plus petite, mais elle est plus large. Le motif, il est simple. Et il est... Ouais, mais j'aime bien. Ok. On sait où on va, quoi. D'accord. Et voilà, la simplicité, c'est bien. Et je te montre le numéro 1 ever. Je crois que ça va être mon préféré pour toute la vie. Parce que dessus, il y a la famille Lippo. Regardez, il est tellement beau. Famille Lippo. Là, il y a Flo. Là, il y a le bébé chien. Là, il y a moi. Et là, il y a le bébé. Et on est tous dessus. Donc voilà. Et on est tous habillés en Noël. Hein. C'est pour ça que c'est une place de Noël. Important de préciser. J'aime beaucoup. C'est mon mug préféré pour toute la vie. Voilà. Et moi, mon numéro 1, c'est celui-là. Mignon. Ah non, je te jure que c'est vrai, ça a toujours été, depuis que je l'ai, ça a toujours été mon préféré. Et qu'est-ce qui fait que tu l'aimes? Bah la hanse en fait, elle est trop rigolote. C'est vrai, c'est la plus belle des hanses, tu vois. En fait, tu savais que t'es une belle hanse, toi. Alors, nous nous retrouvâmes tous ensemble, vous et moi, puisque Florian est parti s'occuper du bébé. Quand Florian va revenir, elle va vous présenter le reste des mugs, et moi je vais profiter pour faire un joli chocolat chaud pour mettre dans nos beaux mugs de Noël. Salut. Alors... On va essayer de faire par catégorie. On va commencer par les Starbucks parce que c'est celle que j'ai le plus. Donc celle-là, qui est rigolo parce que tu peux noter, faire comme des gobelets en fait. Et j'avais un cache, il doit être quelque part dans mes mugs. Mais bah, je l'utilise pas parce que bah, je bois tout de suite. J'ai pas besoin de le laisser en mode faut pas qu'il refroidisse. Celui-là, ce qui a été longtemps un de mes préférés. Il est tout simple mais je sais pas, il a un truc. Ah oui, j'avais oublié. Florian et les arguments, c'est tellement, tellement bon. J'avais tellement oublié ce truc. Regardez celui-là, il est trop cute. Voilà. Mais non, mais regarde, il y a un petit ourson avec des petits flocons et tout. Le seul truc, c'est que comme elle est petite, bah tu bois pas beaucoup dedans. Et moi, je suis plus du genre à boire un gros café le matin et basta. Mais voilà. En fait, maintenant que je la bois, je suis moins fan, mais j'arrive pas à me dire, faut que je m'en sépare. Parce que j'aime vraiment beaucoup les bonhommes de neige. En plus, il y a une carotte et j'aime beaucoup la tarte à carotte. Sur son nez, alors. Celle-là, c'est la seule que j'ai achetée pour l'instant. Cette année? Ouais. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais non, mais là, en regardant... Parce que moi, j'aime vraiment Père Noël. Il est vraiment gentil comme monsieur. Là, en regardant, j'ai failli la mettre dans mon top 3. Regarde.
La anse, elle est comme l'autre. Ouais. La forme, elle est bien. Mm-hmm. Enfin, voilà. Il y a des marqués, il est marqué ho 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 aussi. Ah ouais. Alors celle-là, elle fait fureur à chaque fois que je la monte sur Insta. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que ça ressemble au Patronus dans Harry Potter. Mais est-ce que c'est vraiment une tasse de Noël ça? Bah moi j'ai trouvé qu'elle est sortie pendant la collection de Noël, mais je la vois souvent aussi quand c'est l'automne. D'accord. Donc je sais pas, mais moi du coup je la bois bah, pour les deux saisons. Celle-là, on me l'a offert l'année dernière. Il y a une petite... Bébé. De Noël. T'es quand même conscient que je vais le laisser dans la vidéo? Non, tu bah, en plus, ils ont pas vu la position où j'ai la jambe, alors ça m'a. Donc, petit mug de Noël. Oh, je suis vraiment nulle hein, pour ces trucs-là. En vrai, faut que tu présentes vite et tout. Bah voilà, je présente vite et il y a un... C'est quoi, c'est un cerf? C'est un renne. Un renne. Putain, mais Florian. Un renne avec la hotte du Père Noël. J'avoue, celle-là aussi, j'ai hésité à la... En fait, je crois que je les aime toutes au final. Parce que celle-là aussi, j'avais hésité à la mettre dans mon top 3. Parce que bah, elle est trop cute aussi. Avec le petit Happy Christmas et tous les sucres d'orge. Puis ces petits biscuits, donc... Une autre tasse, bah, comme celle que moi j'ai mis dans mon top 3. Mais là, cette fois, c'est avec des voitures. Et j'aime beaucoup les voitures, parce que ça me permet d'aller d'un endroit A à un endroit B. Et de ramener tous les cadeaux. Attends, j'ai même regardez. Fini. Attends, parenthèse, j'ai fini mon chocolat. Et quand je mets mon chocolat, je mets toujours un petit peu de sirop de noisette qui m'a été offert par Madeloute. Et voilà, ça sent bon la noisette. Je t'avais dit d'attendre. Mais non, ça va te faire une coupure dans tes vidéos. Ah bah alors, bah, coupure dans ma vidéo. T'as mis du rythme au moins. Ensuite, t'as mis du rythme. Donc ça, c'est un renne. Non. Ça sert. C'est quoi? Bah on peut dire que c'est un renne, mais c'est plus un cerf. C'est ça le cerf. Bon bah là, ça sert. On va y arriver. Hein. Il y a marqué quoi? Wishing. You a Merry Christmas. Wishing you a Merry Christmas. Et ensuite, la dernière mais pas des moindres, c'est Poudlard sous la neige. Mm-hmm. Voilà. Qui vient directement des studios de Londres. Je me suis senti obligé de boire dans ma tasse numéro 1. Pourquoi? Parce que tu viens d'en parler? Bah oui, si tu me rends une tasse qui n'est pas du tout... Tu viens finir? Voilà, comme ça vous ça savez... Ça me donne tellement chaud le chocolat. J'ai bu en deux secondes. Je vais enlever mon t-shirt pour finir la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre top 3. On aimerait le savoir. Et si jamais vous avez des mugs, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux. Pas à Flo, pas à moi. Pas à moi. Ouais, Dion, mais moi je m'en fous de vos mugs. Le bâtard. Non, je rigole, envoyez-les moi. Sur ce, on se dit à demain pour ouais. Une nouvelle vidéo. Ciao.